Yo les amis, bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne Android Technologie. Le tuto d'aujourd'hui, c'est comment installer Android TV sur Windows 11. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. A tout de suite les amis. Bye. Les amis, bienvenue à la pratique. Donc la première des choses, on va ouvrir Chrome, on va écrire Android Studio. La première page qui s'affiche, on va cliquer sur Download Android Studio. Et là, vous cliquez directement sur Download Android Studio. Ok, il faut accepter le terme. Voilà, on va cocher I have read and I agree with above term and condition. Mais je suis pas fort en anglais. Mais c'est comme ça. Ok, on clique sur Download. Donc voilà les amis, l'interface de Android Studio. On va cliquer sur Next. Voilà. Ici, vous laissez cocher Android Virtual Device. Et on va cliquer sur Next. Ici, on va installer Android Studio Installation Location. On clique sur Next. Ici, par défaut, vous cliquez sur Installer. Donc voilà, vous patientez. Une fois l'installation se termine, on va passer à l'étape suivante. Et là, on clique sur Next, Start Android Studio, vous cliquez sur Finish. Voilà. Donc, vous allez avoir ça. OK. Import Android Studio Settings. Ici, vous avez Configuration ou bien Installation Directory. Et vous avez The Not Import Settings. Ça veut dire ne récupérez pas. N'importez pas les settings, la configuration, et vous cliquez sur OK. Voilà cette fenêtre qui va s'afficher. Ici, vous avez Help Improve Android Studio, vous cliquez Don't Send, OK, et vous cliquez sur Next. Ici, vous le laissez, de préférence, vous le laissez au mode standard. Vous cliquez sur Next, après vous cliquez sur Next, après on clique sur Next. Et ici, vous avez la licence Android SDK licence. Vous cliquez sur accepter. Vous descendez en bas. Voilà les termes de condition. Et vous cliquez sur finish. Donc, une fois les composants terminés, vous cliquez sur finish. Vous allez avoir cette fenêtre Welcome to Android Studio. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur More Action. More Action. Ici, on va cliquer sur SDK. Manager. Quand on clique sur SDK Manager, c'est là où on va trouver plusieurs versions d'Android Studio. Et moi, je vous conseille, les amis, ce qu'on va choisir, la première Android Upside Down Cake Preview. On va télécharger la deuxième qui s'appelle Android Tiramisu Privacy Sandbox. Et on va télécharger Android 13. Et après, on va cliquer sur OK. Donc, une fois terminé, je clique sur Finish. OK, et je retourne à la fenêtre principale. Et cette fois, je clique encore une fois sur More Action et je clique sur Virtual Device Manager. Quand je clique sur Virtual Device Manager, cette fenêtre qui s'affiche, bien sûr, qui s'affiche, et je clique Create Device. Donc, nous aujourd'hui, on va choisir TV. Et ici, vous avez le name Android TV avec la résolution 1080. Attends, si vous choisissez Android TV 4K ou bien 720p, ça ne va pas fonctionner. Donc, faites comme moi, choisissez Android TV 1000p et je clique sur Next. Cette fenêtre qui s'affiche, vous avez ici à gauche les versions qui ont été réalisées. Release name. Mais nous, on va cliquer sur x86. Images, x86 images, et voilà, comme vous voyez, on a Tiramisu, les API 33 et le système x86 de Android 13, Android TV. Donc moi, je vais prendre et choisir le premier, regardez le premier, je clique sur la flèche, comme ça, et je vais télécharger. Je patiente, une fois le téléchargement download se termine, on va passer à l'étape suivante. Donc, une fois terminé, on va cliquer sur Finish. OK?
Et après, on va cliquer sur Next. Et voilà, ici, c'est très important, les amis. Ici, c'est très, très important, cette configuration. Donc, comme vous voyez ici, on a le Tiramisu Android TV 13. Graphical. Je change automatique. Et je mets Hardware Glaze 2.0. OK? Et je désactive Enable Device Frame. OK, et je clique sur Show Advanced Settings. Ça veut dire montre-moi le menu développé. Je sais pas en anglais. OK, Show. Donc OK. Donc là, on va faire quoi? Caméra, on va laisser emulated. Network full, ça veut dire full vitesse, OK? Graphical, on l'a ici, cold boot, on retire quick boot et on va mettre cold boot, voilà. Start from a power up. OK. Là, multi-core CPU, c'est le mien. OK. Et ici, la RAM. Regardez, la RAM, il y a MB. Mégabytes. Donc, mégabytes, ça passe pas. 1500, le système, il va pas démarrer. On va changer mégabytes, on va mettre gigabytes. Donc, la RAM, ça dépend de la RAM de votre ordinateur. Moi, j'ai 32 gigas de RAM. 32 gigas. Donc, je vais mettre, par exemple, 8 Go de RAM. 8 Go de RAM, il fait tourner très très bien un système Android TV. Et l'internal storage, le stockage, donc c'est mégabytes, je vais le mettre en gigabytes et je vais donner par exemple 10 Go. OK? Donc ici, je vais descendre external file, non SD card, TV. Maintenant, tout est OK et je retire enable device frame. Enable device frame et je clique sur finish. Voilà, donc maintenant on a un système Android TV qui est prêt à être démarré et je clique sur power. Donc les amis, l'interface de TV Google Android, c'est une excellente interface. Regardez les couleurs, la résolution d'image, les amis, je parle de la résolution d'image. Tout est nickel. Vous avez un système Android qui est virtuel sur votre ordinateur. Personnellement, je vais te dire, oui, ça sert à rien que tu achètes un boîtier TV Box. Non, parce que tu as un système virtuel Android Emulator Studio. Et vous avez comme système, vous avez Google TV. Donc, ça passe vraiment nickel, les amis. Côté menu, on va voir côté menu. Regardez, là, vous avez recherché film. Les gens qui ont Google TV, ils vont savoir que, voilà, c'est pareil. Application, quand je descends dans application, vous avez toutes les applications ici. Vous pouvez cliquer sur, par exemple, là. Hop, moi j'utilise ma souris. Attention, vous pouvez utiliser une souris sans fil, utiliser la télécommande. Il suffit juste de l'initialiser avec le Bluetooth. Donc, outils, regardez, outils, vous avez downloader. Tout ce que vous cherchez, tout ce qui se trouve sur Google. Bien sûr, c'est Google, moteur de recherche. Donc, vous pouvez l'installer et ça passe nickel. Send file pour transférer les fichiers. Quand je clique ici, je patiente. Voilà, je clique sur installer. Et voilà, pending, l'installation. Voilà, tat tat tat. Et après, on va l'ouvrir. Voilà, on clique sur open. Et ça passe. Vous pouvez installer TikTok ici. Ça passe nickel. Il n'y a aucun problème. Regardez avec la souris. Je peux bouger là. Soit la souris. Soit il y a un menu. Comme vous le voyez là avec ma main. Ça, c'est une télécommande virtuelle. Par défaut, intégrée sur Android Studio. Soit vous utilisez la souris de votre ordinateur. Soit vous utilisez la télécommande virtuelle qui est intégrée sur Studio Android. OK, je clique sur autoriser et voilà, vous pouvez transférer des fichiers depuis ce système là à votre smartphone, à votre télé, à votre ordinateur. Donc ça passe nickel, il n'y a aucun problème. Concernant les paramètres, je clique ici. Donc voilà, ça c'est moi, c'est mon identifiant. OK, vous pouvez ajouter un autre compte pour les enfants. OK, si vous voulez, bien sûr. Donc paramètres, toujours quand je clique ici,
Là, paramètres, donc vous avez affichage son au début quand vous configurez TV Google Android Studio, c'est en anglais. Mais vous choisissez la langue française et comme ça, vous avez tout en français. Vous avez réseau, vous avez compte et connexion. Confidentialité, c'est là où il y a localisation, micro, caméra si vous voulez utiliser, caméra utilisation, diagnostic. C'est Google, c'est système Google, les amis, il n'y a aucun problème. Vous avez les applications qu'on a vues tout à l'heure. On a le mode application, on a mode système, donc voilà, accessibilité, à propos, date et heure, langue, clavier, stockage. Quand je clique dans stockage, voilà 6 Go de stockage. C'est pas le système qui m'a donné 6 Go. Attention les amis, c'est moi dans la configuration qui lui a donné 6 Go. D'installer des trucs, ça me permet d'installer, etc., etc. Donc vous pouvez mettre 20 Go, ça dépend l'espace de votre stockage, ok? Et ici, on a vu SD card, c'est 500 mégas parce que on peut modifier les paramètres, on peut changer, on peut mettre 1 giga, 2 giga, il n'y a pas de problème. Ok, les amis. Donc, on a vu date et heure, stockage, mode de veille. Quand on clique sur mode de veille, je clique sur activer maintenant. Voilà, regardez-moi ça, les amis. C'est un système virtuel. Elle est exceptionnelle. C'est un système qui est exceptionnel. Ok, donc quoi d'autre les amis? Ça c'est activé maintenant. Paramètres, on peut changer dans paramètres. Quand on clique dans paramètres, il y a quoi? Donc indisponible. Bon voilà, ici indisponible. On a alimentation, énergie, on a casse. Bon, on peut caster l'image toujours pendant l'utilisation, pendant la diffusion. On peut, il y a aucun problème. On peut diffuser quand on veut. Ok, ici on a Google. Quand on clique dans Google, système service updates et on a redémarré le système. Donc voilà les amis, je vous ai montré comment installer Google TV sur votre ordinateur. La prochaine fois, on va voir un autre système qui ressemble à Google TV sur, bien sûr, sur Windows 11. Sahaftorkom, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez les amis. Assalamu alaikum.